Bonjour et bienvenue dans notre émission Échange. Échange. Une émission de contact où vous avez la parole à la console. Jean-Pierre dit merci pour le lapin des pruneaux. Bon pour le transit. Je ne te connaissais pas si bon chasseur. Quoi? Quoi? Tu as mal au ventre? Il y a une épidémie gastro pour l'instant, ça va aller. Bon allez, on fait vite. Alors, on ne traîne pas. Tout de suite, un premier appel. Il faut quand même que je donne le thème du débat. Enfin, débat. Notre thème, pas joli, mais bourré de charme. Jean-Pierre, ça va? Ça va, tu as les yeux rouges, Jean-Pierre? Oui, baf. Allô, oui, bonjour, Suzette. Je vous écoute. Oui, j'ai entendu votre thème du débat. D'abord, je vais vous dire que j'aime beaucoup, beaucoup votre émission. Vous avez du charme, madame. Non, mais je suis bourrée. Merci de citer moi. Allô, Suzette, je vous écoute. Oui, Suzette, c'est maman. Non, maman, non, pas maintenant. Dis, j'ai aussi le droit de témoigner. Bon, alors allez-y, madame. Voilà, j'ai une beauté discrète, mais beaucoup de charme. Merci, madame. Je n'ai pas fini. J'avais dans le temps, je dois bien le reconnaître, mon petit succès auprès de la gente, Jean masculine. Oui, alors, et j'y arrive. Il se fait qu'en dehors de ton père, j'ai connu d'autres hommes bien connus. Je dirais en profondeur. Et alors? Alors, il me semblait qu'il était temps de te le dire. Suzette, ton père n'est pas ton père. Merci, madame. Suivant appel, j'écoute. Bonjour, c'est Claudine Brasseur. Ma sœur! Ma sœur! J'ai une sœur! Je viens de rapporter que mon père n'est pas mon père et en plus, j'ai une sœur. Non, c'est Claudine Brasseur. Ah! Claudine Brasseur! Madame Claudine Brasseur! Elle, vous l'honneur de votre visite! C'est votre appel! Madame Brasseur! C'est pour votre collègue. Ah! J'appelle la bonne femme des animaux au téléphone! Il répond pas, madame. C'est bien ce que je pensais. Aïe. Est-ce qu'il a l'air rigide? Oui. Oh, il est tout blanc avec des yeux rouges. Est-ce qu'il bouge encore? Non, enfin, sauf les oreilles. Aïe, aïe, aïe. C'est bien ce qui me semble. Nous sommes en face d'un cas de myxomatose très, très, très intéressant, hein. J'arrive avec une petite équipe. On va prendre quelques images pour l'émission. Ne bougez pas. T'as entendu, Jean-Pierre? Bouge pas. Il bouge pas. Tu vas passer à la télé chansard. Oh, c'est pas à moi que ça arriverait. Oui! Oui, mais j'ai une idée. Allô, je pourrais parler à Thomas Van Am. C'est vous-même, excusez-moi de vous déranger. J'ai une petite question à vous demander. Suzette, de la radio. Non? Suzette, de... Échange. Non, Suzette, Jean-Pierre! Non, bon. Suzette, pom. Allô, c'est Suzette? Non. Suzette, bonjour, Suzette, j'ai un problème. Oh, fou, non, oui, toujours pas. Suzette, c'est moi qui vous appelle. Pourquoi Jean-Pierre, arrête-moi! Oui, toujours pas. Suzette, qui rit quand? Qui rit? Voilà, vous me restituez enfin. Alors, c'est juste pour vous dire, Thomas. Voilà, monsieur Thomas Van Am, que mon père n'est peut-être pas mon père, que Claudine Brasseur aurait pu être ma sœur, que je suis peut-être porteuse de la myxomatose, moi également. Est-ce que ça suffit pour venir dans votre émission? Ah, ah. Bon, j'attendrai d'avoir un frais de dossier de candidature. Alors, oui, ça va. Au revoir, Jean... au revoir. Oui, au revoir, Thomas. Jean-Pierre, tu veux une carotte? Non, il veut rien. Il bouge plus. Mais voilà. Ah. Et la trichologie... La trichologie. C'est se tromper de diagnostic. Se tromper de... Parce que la myxomatose ne se transmet pas aux humains. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr.